Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Khalil Merroun, le vice-président de l'Union des mosquées de France et le recteur fondateur de la grande mosquée de Ivry. Assalamu alaikum et bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Assalamu alaikum, paix sur vous et je vous souhaite une bonne matinée. Bah écoutez, bienvenue dans cette émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous parce que vous représentez deux entités quand même assez importantes dans le paysage islamique ici en France. Vous êtes le vice-président de l'Union des mosquées de France, dont le président, M. Mohamed El-Moussaoui, qui est président de CFCM. Mais aussi, vous êtes le recteur fondateur de la grande mosquée d'Ivry. Dans un premier temps, comme vous le savez, M. Khalil Merroun, la France a subi un certain nombre d'attentats qui a secoué la République, qui a secoué le vivre ensemble. Quel ressenti vous avez eu lors de ces attentats? Premièrement, je tiens à présenter mes condoléances à nos frères, nos concitoyens qui ont été victimes de cet acte ignoble. Où je rappelle que ma religion, elle défend la vie, elle interdit de ôter la vie à des hommes innocents. Ces criminels vont rendre compte à la justice de ce bas monde et surtout à la justice divine lorsqu'ils vont se rencontrer avec face à Dieu. Et ces victimes diront à Dieu: Seigneur, il m'a ôté la vie. Alors, il faudrait qu'on réfléchisse. Bien sûr, je compatis avec mon pays. C'est là où je vis, c'est là où j'évolue, c'est là où les musulmans qui fréquentent la mosquée d'Ivry et d'autres mosquées sont aussi victimes de ces attentats. Nous sommes deux fois victimes. Nous sommes victimes en tant que citoyens français et nous sommes victimes en tant que musulmans qui, très souvent, certains veulent que nous payions la facture de ces terroristes. Monsieur Khalil Merroun, vous êtes le vice-président de l'Union des mosquées de France. Dans un premier temps, si vous le permettez, pourriez-vous nous donner un aperçu sur cette organisation qui s'appelle l'Union des mosquées de France, dont le président, Monsieur El Moussaoui, qui est le président aussi de CFCM? Merci de me poser cette question. Au moins, les auditeurs et beaucoup de musulmans vont savoir quel est le poids de l'UMF. Nous avons créé l'UMF une fois que nous avons pas été satisfaits du RMF, qui ne suivait pas nos objectifs. Cet RMF qui a été fondé, créé dans mon bureau à Ivry. Eh bien, en si peu de temps, voilà la force de l'UMF. Nous avons plus de 700 mosquées. Aux dernières élections du CFCM, tout le monde nous donnait perdant parce que certains de nos membres ne voulaient pas aller aux élections. Nous avons obtenu 18 membres élus. Et à titre de comparaison, la mosquée de Paris, la fédération de la Grande Mosquée de Paris, n'a obtenu que 7 membres élus. Je ne parle pas de l'ancien UIF qui s'appelle aujourd'hui les musulmans de France. J'essaie de comparer deux grandes fédérations qui sont l'UMF et la mosquée de Paris. L'UMF dispose aujourd'hui vice-présidence du CSM. C'est la majorité absolue. L'UMF a proposé quelque chose de nouveau. La départementalisation de représentativité de proximité, ce qu'on appelle les CDM. Alors que la mosquée de Paris et M. Kribich n'en voulaient pas de cette représentativité de proximité, alors que tous les préfets, tous les maires, toutes les autorités locales ont demandé, parce que c'est localement comme pour trouver des solutions à des problèmes qui s'opposent à l'islam et aux musulmans, il y a la République. Eh bien,
nous avons créé 40 CDM, 40 conseils départementaux. C'est pas moi. C'est l'UMF qui a proposé, c'est important, il a proposé la réforme du CFCM, dont Monsieur Houman Yacoubi, mon vice-président, à Ivry, il est chargé de cette commission de la réforme du CFCM. Le CFCM doit être réformé. Si nous voulons qu'il continue à vivre sans qu'on puisse lui tendre des pièges pour l'assassiner ou le tuer. L'UMF possède les plus grandes mosquées de France. Je ne citerai que celle d'Ivry, celle de Saint-Étienne, celle de Strasbourg. À Mantes-la-Jolie, nous avons deux grandes mosquées. Nous avons la mosquée de Blois, nous avons la mosquée d'Angers. Et nous avons la mosquée, je tiens à saluer l'âme de notre frère qui est décédé il n'y a pas si longtemps, celui, l'obsédant de la mosquée d'Argenteuil. Je ne parle pas des mosquées moyennes. Comme tout le monde, vous avez pu suivre le discours de M. le Président de la République, le discours des mairies. Une décision qui a été prise par la présidence, comme quoi la formation des imams doit se faire ici en France, dans un cadre républicain. La grande mosquée d'Ivry, qui est connue par son poids et aussi par rapport à l'arrivée massive aussi des imams provenant du Maroc, comment vous appréciez cette décision et quelles propositions vous faites dans ce cadre pour répondre au message du président de la République? Le message du président de la République et la demande du président de la République est légitime. Parce que dans l'esprit de l'islam, un imam, il doit connaître le langage, la société dans laquelle il évolue. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons envoyé les prophètes qu'avec le langage de leur peuple. Voilà une confirmation, une réponse à monsieur le président de la République. Eh bien, l'UMF, déjà avec le président de la République Hollande, il y avait cette demande à Tanger. Et depuis, nous avons commencé à former des imams à l'Institut Mohammed VI de Rabat, sans distinction de nationalité. Ce sont les mosquées qui veulent envoyer des élèves ou des étudiants de formation d'imam qui nous donnent la liste. Bien sûr, il y a une sélection pédagogique et ils sont logés, nourris, payés. Ou le Maroc nous tient aucun bénéfice. Le seul bénéfice qui est tiré, c'est les musulmans et les mosquées de France. Eh bien, ces imams, nous avons déjà 57 imams qui sont sortis. Souvenez-vous, depuis des années 80, qu'on parle de formation des imams à Château-Chinon, on n'a jamais eu autant de pénurie d'imams que depuis qu'on avait des annonces de formation d'imams en France. Eh bien, nous n'avons pas attendu le discours de M. le Président de la République au bureau pour réfléchir à faire rapatrier la formation des imams de l'Institut Mohammed VI à Rabat, au Centre islamique d'Ivry-Courcouronnes. Et même avec la pandémie, nous continuons à faire des efforts de formation à distance pour que nous puissions avoir les imams. Nous avons aussi réfléchi et nous avons créé ce qu'on appelle des imams référents dans nos régions,
ces imams référents peuvent former aussi d'autres imams, bien sûr, avec la République a le droit de regard sur notre formation de nos imams. Les imams que nous voulons former, ce sont des imams issus. Nous travaillons pour l'avenir. L'islam, il est en France pour des années et des années, des siècles peut-être. Nous sommes en train de construire les hommes qui veulent, qui sont capables de gérer cet islam. Vous savez, l'imam, c'est la colombe de la mosquée. Nous voulons avoir des imams qui connaissent l'histoire de la République. Nous voulons des imams qui connaissent les lois de la République. Nous avons besoin des imams qui connaissent la laïcité de la République. Une laïcité égalitaire qui ne fait aucune distinction entre les religions ni entre les hommes. Nous voulons avoir des imams qui pratiquent la liberté de conscience. Croit celui qui croit, qui veut croire. Il ne croit pas celui qui ne veut pas croire. Et nous avons plusieurs versets dans le Coran. Envoyez les prophètes, quel que soit le prophète, n'a jamais dit au prophète imposer la religion aux hommes. Voilà, vous êtes des messagers. Apportez la Messie. Croira celui qui veut, il se détournera de la foi celui qui veut. Monsieur Khalil, s'il vous Voyez. permettez, après cette brève explication, mais en même temps démonstration quelque part du poids de l'Union des mosquées de France, vous avez évoqué un certain nombre de points et que je souhaite les développer point par point. Vous avez parlé comme quoi c'est dans le bureau de la mosquée de Ivry qui était créé le Rassemblement de musulmans de France. Et vous avez quitté cet rassemblement. De quoi il s'agit réellement, le RMF, et pourquoi vous avez pris la décision de la quitter? Tout simplement parce que le RMF, nous l'avons créé pour aller aux élections du CFCM, une identité beaucoup plus forte. Et nous avons démontré que le poids entre la mosquée de Paris et la mosquée d'Ivry, qui étaient deux grandes pôles importantes, eh bien, nous avons créé le RMF. Et nous avons gagné des élections. Monsieur Moussaoui est devenu président du CFCM. Et le moment venu, il fallait que nous avons demandé, il a été demandé à Monsieur Quyvest de céder la présidence à Monsieur Moussaoui, parce que c'est logique, parce qu'il est le président du CFCM. C'est normal qu'il préside l'organisation comme actuellement, l'organisation qu'il a ramenée aux élections. Et Monsieur Quyvest, ceux qu'ils ont autour de lui, ils ont refusé le jeu démocratique, et nous avons quitté le RMF sans aucune protestation. Nous avons dit, laissez le RMF, nous allons constituer une nouvelle institution. Et cette nouvelle institution, nous avons créé l'UMF, l'Union des mosquées de France. Il y a que deux lettres qui changent. Au lieu d'un R, nous avons mis un U. Mais vous avez vu, le résultat, il est conséquent. Vous avez quitté le RMF et le RMF existe encore bel et bien par à sa présidence, Monsieur Anouar Kibibesh. Quel poids représente d'après vous le RMF actuellement? Je ne vais pas vous dire quel est le poids, mais seulement il n'y a pas photo. Aux élections, il n'a pas obtenu, il n'a rien obtenu. Il n'est même pas au nom du bureau du CFCM. C'est ça le résultat. Le poids, il est faible.
Écoutez, vous avez dit comme quoi, et tout le monde l'a pu constater, et même M. Anouar Kouibech, dans cette émission, il a expliqué comme quoi ça viendra le moment venu pour voir sur le plan judiciaire ces élections où l'IMF a été, selon ses dires, a été exclu. C'est pourquoi il a claqué la porte du conseil d'administration de CFCM. Comment vous expliquez cette attitude et selon vous, est-ce que réellement il y avait une fraude ou une contestation bien fondée du Rassemblement des musulmans de France dans cette élection, la dernière élection du CFCM? Il n'y a pas plus clair. Jamais, jamais les élections n'ont été aussi claires dans l'histoire du CFCM que cette année. Je me souviens, M. Kouibech, il présidait à Ivry le bureau de vote du CFCM. Et lorsqu'on menace, je vais aller à la justice et tout ça, ça me rappelle récemment. Trump qui voulait saisir la justice avant de connaître les résultats des élections. Alors, vous savez, je voudrais résumer tout ça. Dans notre esprit religieux musulman, le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait, ne donnez pas la responsabilité à celui qui la réclame. Choisissez celui qui est le plus digne de vous représenter. Si vous lui offrez la responsabilité, vous allez l'aider à l'assumer. Mais s'il la réclame, il va l'assumer tout seul. Monsieur Mohamed El-Moussaoui, récemment, fait l'objet d'un certain nombre d'articles, hein, et parfois virulents. Est-ce que l'IMF est derrière ce président ou bien au sein de l'IMF il y a des fractures? À l'UMF, nous sommes un seul homme. Monsieur Moussaoui n'est pas tout seul. La mosquée de Paris et des autres fédérations sachent que l'UMF, c'est un seul homme qui parle d'une seule voix. Et c'est ça ce qui fait la force de l'UMF. La force de l'UMF, c'est ce que je vous ai présenté, son poids. Son poids, c'est l'unité. Et on s'appelle bien l'Union, l'UMF, l'Union, et ben nous sommes au sein de l'UMF, nous sommes très unis. Monsieur Khalil Merroun, comme tout le monde, hein, vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous suivez l'émission Islam de France sur la chaîne publique, hein, Antenne 2, chaque dimanche, comme tout le monde, vous avez assisté à cette émission de télé où il y avait un certain nombre de personnes, hein, autour du directeur de la mosquée de Paris. Il y avait bien entendu Madame Kahina Behloul, il y avait aussi bien sûr Monsieur Anouar Kouibech et d'autres hein, qui étaient présents sans la présence bien entendu du président du CFCM. Et on parle de quelque chose qui touche la communauté et comme tout le monde le sait, à ce jour, c'est le CFCM qui représente les musulmans de France. Comment vous avez pu apprécier cette rencontre? Sur le plan éthique, mais sur le plan contenu. À ce plan éthique, je me suis dit, il y a un problème. Est-ce que le recteur de la mosquée de Paris veut se faire connaître et veut faire cavalier seul? Et d'ailleurs, pour la mémoire, cette émission, il nous a été donnée, offerte à la communauté musulmane par Monsieur le Président Mitterrand. Et c'était pour tous les musulmans. Alors, lorsque le premier président de connaître l'islam est décédé, nous avons vu surgir un certain Hafiz qui a pris la présidence de cette émission. Et il en a fait un usage personnel,
en invitant des gens autour de lui. Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, Hafidi, qu'ils représentent tous très souvent, pas présent à cette émission importante, puisque c'était juste le lendemain des attentats horribles qui ont touché notre pays. Et moi, j'aurais souhaité si, que l'ensemble, tout le poids de l'islam de France soit présent pour qu'on puisse présenter l'unité et la solidarité avec la République et avec l'ensemble de nos concitoyens. Et je vais vous dire la vérité. J'ai reçu son message WhatsApp, beaucoup de musulmans qui ont été horrifiés et scandalisés par cette manœuvre de trahison. Vos avis dit trahison. Comment, parce que là, je me mettrai à la place de ce monsieur, hein, donc monsieur Hafiz Shamsuddin, qui est le vice-président. Comment vous l'expliquez cette trahison? Est-ce que le fait qu'il n'y a pas un consensus, le fait qu'il n'y a pas la présence du président Moussaoui, et pourtant on a pu constater ça à maintes reprises, hein, dans le passé, lors de la rencontre avec Monsieur Darmanin à la Grande Mosquée de Paris, sans la présence aussi du président du CFCM, on dirait qu'il y a un divorce, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, Monsieur Shamsuddin Hafiz, la veille des élections, a dit, moi, je vais voter pour mon frère Mohamed El-Moussaoui. Est-ce que c'est une fratrie de façade ou réellement une fratrie fondée sur le sens propre de la fratrie? Permettez-moi d'être un peu plus clair. Y avait cette émission. Avant cette émission, il y avait la visite de Monsieur le ministre, le ministre du culte, de tous les cultes. Et jamais, ni les protestants, ni la communauté juive, ni les catholiques n'auraient fait, reçu le ministre, tout seul avec une entité. Moi, si le ministre serait venu, j'aurais invité tout le monde. Moussaoui, s'il fallait rencontrer, ou le ministre serait allé au siège de l'UMF, du CFCM, excusez-moi, il n'aurait pas évité, on n'aurait pas exclu la présence de son vice-président, qui est Hafez. Et puis, il y avait cette mascarade de cette conférence de presse pour dire, nous allons faire ceci, cela, nous allons présenter. Eh bien, je le mets au défi, s'il est capable de trouver toutes les solutions qui s'opposent à la République et qui puissent unir la communauté musulmane, eh bien, nous allons pouvoir dormir tranquille. Nous n'avons pas à agir. Et je sais qu'il serait incapable d'apporter des solutions tout seul. Aujourd'hui, je le dis solennellement, vu la pandémie, le Covid-19, les problèmes économiques qui se font à notre pays, dont les musulmans aussi vont subir les conséquences comme tous les autres concitoyens français. Avec les attentats et la menace qui vise notre pays, la France. Je tiens à dire à M. Hafiz, le vice-président du CFCM, raisonnez, réfléchissez à deux fois avant d'agir et de prendre votre cheval d'obstacle. Parce que lorsqu'un cheval d'obstacle se casse, il est réduit à la mort. Donc, soyez raisonnable. N'essayez de pas de tuer le CFCM. Je tiens à vous le dire de manière très franche. C'est l'UMF qui a donné la vie à ce CFCM qui était dans le coma. Lorsque nous sommes allés aux élections, nous avons donné de la vie
à ce CFCM. Le CFCM, je suis un des fondateurs. Nous avons passé des jours et des jours et des nuits. Nous avons commencé par un ministre, après un deuxième ministre. Nous avons traversé de la droite à la gauche et nous avons créé le CFCM. Il n'est pas question de le laisser mourir. Il faut l'admettre, hein, M. Khalil Merloun, et à travers cette émission, plusieurs intervenants, comme vous le savez, de haut niveau, de qualité, de renom, mais aussi de poids sur le champ religieux, ils l'ont dit, ils l'ont redit, hein, donc à travers cette émission, notamment M. Tariq Boum, notamment M. Hakim Karoui, et bien d'autres, hein, tout le monde a dit il est nécessaire de garder le CFCM, c'est possible de l'aménager, de le retravailler, mais le CFCM ne doit pas disparaître. Mais ça, cela m'interpelle sur un certain nombre de questions, si vous le permettez. Nous avons constaté un rapprochement. Est-ce que c'est un rapprochement naturel ou contre-nature entre le RMF et la GMP? C'est la question que je pose et je la poserai éventuellement à M. Anouar Kibibes s'il souhaite répondre à cette question. Cet rapprochement entre les deux, du moment où il y a un claquement de la porte du CFCM par l'intermédiaire du RMF, ne sème pas la zizanie dans le fonctionnement de CFCM. Permettez-moi avant de répondre à votre question, j'ai oublié quelque chose dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Monsieur Hafez qui a déclaré que je voterai pour mon frère Moussavi. Il ne pouvait pas faire autrement. Parce que lorsqu'on est minoritaire et on veut être vice-président du CFCM, je suis obligé de m'allier à la force. Et c'est là où le problème de M. Hafid, une fois qu'il a obtenu ce qu'il fait, il essaye de faire des bâtons dans les roues pour les autres, pour essayer de gagner. Et ça, je vais enchaîner ce que vous êtes en train de dire de cette alliance Kibibe, RMF et la mosquée de Paris. J'ai vécu beaucoup de conventions, d'accords signés, que ce soit avec l'EIF, la mosquée de Paris. Ce sont des accords de façade qui ne tiennent pas debout. Monsieur Kibibush, il est encore la victime. Il sera la victime, demain sera la victime de monsieur Hafid. Monsieur Hafid, une fois qu'il a obtenu ce qu'il a voulu, il s'en fout carrément de ses alliés. Si son comportement à l'égard du CFCM et de son président, c'est beaucoup plus flagrant. Il ne tient pas compte. Je me souviens, et je sais que mes frères d'Afrique vont écouter cette émission, il a toujours méprisé, Hafid, il a toujours méprisé la Fayaka. Et la Fayaka fait partie intégrante de tissu social de l'islam de France. Et pourquoi ce mépris? Vous savez, des fois on a l'attitude qui est née en nous-mêmes, on n'essaie pas de corriger parce qu'on je me sens. Il y a des gens qui se sentent supérieurs aux autres, et ça, c'est une maladie. Monsieur Khalil Merloun, il y a quelques points que je souhaite évoquer avec vous au sein de cette émission parce que il y a une nécessité pour un éclairage auprès des musulmans, bien sûr, de France. Comme vous le savez, cette alliance que vous avez parlé, vous avez donné votre point de vue qu'il s'agit d'une alliance de façade. Bien entendu, il y avait d'autres alliances avec la GMP et notamment avec les musulmans de France, à sa tête M. Ammar Al-Sfar, qui était mon invité au sein de cette émission. Et qu'on a parlé de cette alliance, hein, qui m'avait dit comme quoi c'est une alliance stratégique avec M. Dalil
Boubacar. Et en même temps, je lui ai posé une deuxième question. Comment ça se fait, les Marocains ne sont pas unis? Alors, j'ai deux questions, si vous le permettez. La première, qui est la dernière, et après on passe à une personnalité que vous avez connue et côtoyée pendant plusieurs années, Monsieur Dalil Boubacar. La première, c'est quoi la raison qui pousse les différentes fédérations marocaines de ne pas s'unir pour former un bloc qui permettra d'y aller plus loin dans les négociations et la gestion de l'islam en France? Et la deuxième question, quel rapport, quel constat, quelle appréciation vous pouvez nous faire sur votre relation avec Monsieur Dalil Boubacar, l'ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, et l'actuel Monsieur Chamseddine Hafiz? Qui a changé de nom avec prétention comme quoi les musulmans de France, mais qui leur a donné la caution de s'appeler les musulmans de France. C'est très prétentieux. Monsieur Lasfar est d'origine marocaine, comme moi, de ma région d'ailleurs du Nord. Et nous sommes connus, les gens du Nord, avec notre façon d'être. Mais c'est une organisation qui est différente du projet que nous portons. Lui, il est affilié à une organisation. Ils se cachent plus maintenant. Ce sont des frères musulmans, ils sont alliés et tout ça, mais c'est leur droit. Je n'ai pas à les juger. Quant à l'RMF, comme je vous l'avais dit, nous l'avons créé dans mon bureau à Évry. Mais à un moment donné, on avait demandé à Rivage de passer la présidence à Monsieur Moussaoui. Logiquement, en tant que président du CFCM, il est normal qu'il soit le président. Il avait refusé et nous avons été dans l'obligation de créer, comme je vous l'avais dit, l'UIMF. Donc il n'était plus dans la ligne de ce que nous voulions présenter de cet islam sunnite, malikite, ash'arite. C'est très important le dogme ash'ari. Le dogme ash'ari, c'est nous laissons l'individu directement envers son Seigneur. Nous ne sommes pas à juger qui que ce soit, nous ne sommes pas pour donner des leçons aux fidèles. Eh bien, nous avons créé l'UMF. L'UMF est une organisation, à elle seule, peut être une organisation représentative de ce qu'elle veut représenter, de cet islam que je vous avais décrit succinctement. Eh bien, mais nous ne voulons pas faire cavalier seul, parce que dans l'esprit de l'union, il y a le mot union. C'est ensemble que les autorités de notre pays ont besoin que nous puissions nous associer pour trouver des solutions à des problèmes qui se posent à la République et faire émerger un islam. On dit un islam des Lumières, non, un islam authentique, un islam respectueux des autres, un islam qui s'adapte. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète pour balayer sur ce qu'on appelle le séparatisme. Le prophète de l'islam nous dit, il n'est pas des nôtres, celui qui n'adopte pas et qui ne se fait pas adopter. Moi, j'ai adopté beaucoup de mœurs et de manières de vivre françaises, sans pour autant j'ai négligé ma foi de musulman et de croire en Dieu. La loi de la République, moi, je la pratique tous les jours, et je la subis tous les jours. Le fait que je fais confiance à la justice de mon pays, de la République française, ça c'est important. La laïcité,
n'y a pas mieux qui connaît la laïcité que nous, les musulmans, surtout les responsables des mosquées. À la mosquée d'Ivry, nous avons fait beaucoup de sessions sur la laïcité. Nous avons réuni tous nos imams de France et nous leur avons expliqué c'est quoi la laïcité, c'est quoi la séparation de l'État et de l'Église. Bien sûr, séparation de l'État et de l'Église. Ce qui est aujourd'hui la séparation de ce qu'on appelle le culte et l'État. Lorsqu'il y a eu cet attentat à Nice, j'ai appelé mon frère, mon ami, l'évêque d'Ivry actuel, Michel Rostard, et j'ai contacté l'ancien évêque d'Ivry, qui est actuellement à Lyon, qui m'a dit qu'il avait encore 2 mois, le temps que l'archevêque qui a été nommé par le pape viendra. Et je lui ai dit ceci. J'étais touché profondément sur l'assassin de nos frères à l'église de Nice. Et je lui ai dit, il faudrait que les juifs, les chrétiens, les musulmans, les adventistes, les athées et tous les hommes politiques, nous puissions être un seul corps, un seul homme, une seule objectif, c'est d'enrayer ce terrorisme. Sauf que, monsieur Khalil Mellal, puisque vous parlez de ça, et je n'ai pas encore eu ma réponse, hein, pourquoi les Marocains ne sont pas réunis? Et en même temps, c'est quoi votre avis par rapport à vos relations avec monsieur Dalibou Bakel et le nouveau recteur? On va ouvrir cette parenthèse, si vous le permettez, puisque vous parlez de ce sujet-là. Comme tout le monde, vous avez pu constater que ces attentats sont commis par des gens étrangères, issus de l'immigration, hein, comme les choses soient claires. Ce ne sont pas des musulmans français, ce ne sont pas des musulmans qui vivent sur une situation régulière ici en France, et notamment, par exemple, ce Tunisien qui est venu pour faire cet attentat atroce, et même le Pakistanais et celui de la Tchétchénie. Tout le monde condamne et tout le monde comprend qu'il y a un problème d'immigration et qui est quelques-uns pour allumer le feu. Ils font l'amalgame entre islam et immigration. Je reviens à ma question, si vous le permettez. C'est quoi la raison qui vous empêche de s'unir tous les Marocains pour faire un bloc? Est-ce que c'est un problème d'ego, c'est un problème de courant religieux ou autre? J'en sais rien, je pose la question. Mon très cher ami, frère, nous, les Marocains, sommes unis autour de l'UMF. La différence entre l'UIF, il n'est pas une organisation marocaine. C'est une organisation internationale. Il a son siège aussi en France. Mais l'UMF, il s'est mis à l'écart. La plupart des membres de l'UMF sont aujourd'hui à l'UMF. Donc il n'y a pas de division. Il y a ceux qui ne veulent pas rejoindre l'UMF. Mais l'UMF n'est pas fermé. L'unité est ouverte. Voilà. Maintenant, permettez-moi de vous répondre sur votre question. Je n'avais pas oublié. Un instant, J'ai été un là. instant, si vous le permettez, puisqu'on parle de ça. Est-ce que, parce que lors de cette rencontre hein, à la grande mosquée télévisée, hein, à la grande mosquée de Paris, il y a des observateurs ont compris comme quoi le Maroc a été représenté par l'intermédiaire, je parle d'observateurs, qu'on soit clair, qui ont observé comme quoi le Maroc a été représenté au sein de cette conférence sous forme de d'émission sur l'islam à la grande mosquée de Paris. Représenté par le RMF, vu l'absence de un membre de l'Union des mosquées de France et notamment son président. Comment vous répondez à cette situation confuse, hein? Est-ce que le RMF représente le Coran marocain ou pas? Écoutez, l'ambiguïté, elle est là. Je vais vous répondre par un fait très, très, très clair. Avant les élections du CFCM,
Monsieur Kulos avait pris rendez-vous avec l'ambassadeur du Maroc. Il a été accompagné avec Monsieur Shamsuddin Hafid. À l'époque, il Et n'était pas c'était tout. pas recteur à l'époque. Non, non, non. Il était membre du Du CFCM. 7e. Et puis, vous savez, la manipulation. Monsieur l'ambassadeur, bon, prenez une photo avec vous. Bien sûr, l'ambassadeur, c'est un homme d'ouverture. Monsieur Ben Moussa est un homme excellent ambassadeur. Il a pris une photo. Et ben, ils l'ont utilisé pour dire, voilà, Monsieur Kulwesh a été reçu avec Monsieur Hamdi et tout ça. On le confirme. Et nous avons été étonnés, nous, à l'UNF. C'est quoi ça? La réponse était claire. Mais pas, bien sûr, je vous parle de l'officialité. Y compris la France a posé la question. Et la réponse était claire. C'est l'UNF qui représente, qui représente le courant marocain. Et d'ailleurs, pour vous le confirmer, Monsieur Kulwesh était président du CFCM lorsque la visite de Monsieur Hollande à Tanger pour signer cette convention de formation des imams. Et c'est le président de l'UNF qui a été présent à cette signature, Monsieur Moussaoui. Donc Sohail Merroun, si vous le permettez, parce que ce point c'est très important, d'histoire récente, on ne parle pas de quelque chose de très ancien, il faut dire les choses telles quelles sont. Cette visite dite auprès de monsieur l'ambassadeur Chakib Ben Moussa, il y avait un mouvement de révolte, hein, j'aimerais bien que tout le monde le sache, qui a fait la une sur un certain nombre d'articles, et même sur des médias connus, hein, comme quoi l'ambassadeur a reçu un ancien ou avocat toujours, j'en sais rien, mais un ancien avocat du Front Polisario. Et comme vous le savez, le Front Polisario, c'est les séparatistes, en parlant de séparatisme, les séparatistes de l'unité nationale. Alors, il y a quelque chose qui est de malsain dans cette histoire. Est-ce que monsieur l'ambassadeur a bien fait de recevoir, ou bien c'est une erreur diplomatique qui peut arriver à chacun de nous, d'accepter de recevoir ou de prendre une photo dans ce sens, parce que les observateurs ont bien vu cette notion comme quoi l'ambassadeur serre la main et prend photo aussi avec l'avocat du Front Polisario qui a fait beaucoup de mal, j'ai dit beaucoup de mal, à l'unité nationale. Donc, je salue la personnalité de Monsieur l'ambassadeur du Maroc, Chakib Ben Moussa, il a reçu le président du CFCM avec un vice-président. C'est là la malice et la manipulation de Monsieur Hafid à Kibibesh. Et actuellement, ça continue que Monsieur Hafid utilise notre frère Kibibesh. Et comme je vous le dis tout souvent, Hafid, une fois qu'il a obtenu ce qu'il veut, après il donne un coup de pied. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'amitié. Et d'ailleurs, il était l'avocat de ces séparatistes qui ont trahi leur nation. Nous avons vécu le vendredi le 45e anniversaire de la marche verte et de la récupération de nos provinces. Et je constate qu'il y a beaucoup de pays africains et arabes qui ouvrent aujourd'hui leur ambassade, leur consulat dans ce territoire qui est acquis. Moi, je suis de la région de Tanger et je me sens marocain et le Sahara restera marocain de Tanger à Gouira. Monsieur Khalil Merroun, il y a une deuxième partie de notre question, certainement parce qu'on essaie de développer un petit peu la discussion. Je vous ai posé la question sur vos relations dans le passé avec Monsieur Dalil Boubacar
et votre relation et l'union des mosquées de France, hein, donc sa relation aussi, comment avec monsieur le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris, comment ça se traduit, comment vous pouvez apprécier l'ancien recteur et le nouveau recteur sur le plan éthique et sur le plan action. Je tiens à vous rappeler ma relation avec M. Ben Hafiz au sein du bureau du CFCM lorsque je siégeais au bureau du CFCM depuis sa création. Il était très limité. Je l'observais de loin, je n'appréciais jamais son comportement à l'égard des minorités, de nos fédérations minoritaires, mais. Pour moi, c'était un simple personne à qui je ne peux pas m'immiscer, ni signer avec lui une convention quelconque ou un accord. Néanmoins, je tiens à rendre hommage à mon ancien collègue, Dalioub Bakker. Dalioub Bakker est un homme de consensus, un homme qui n'a jamais eu une pensée de trahison. Il a toujours aménagé le président du CFCM Moussaoui lorsqu'il n'était plus président du CFCM. Et pour l'anecdote, la commission des élections, qui était manipulée par M. Kubilech et M. Hafiz, ne se réunissait pas. Nos membres à l'UMF, ils n'avaient aucune information. Lorsque j'ai téléphoné à Dalioub Bakker, quelques semaines avant les élections, et ils nous a écoutés, et ils nous ont fait une réunion, ils ont ré réétabli ce qu'on appelle le communisme. C'est un homme qui ne cherchait pas la division. C'est tout à fait le jour et la nuit de ce qui se passe aujourd'hui. Avec l'actuel hôte de la mosquée de Paris. Je n'ose pas dire recteur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et on aimerait bien avoir votre dernier mot, si vous le permettez. Je tiens à rappeler à Monsieur Hafiz et à l'ensemble des responsables des fédérations de raisonner et de réfléchir deux fois avant d'agir. Le moment est difficile, le moment est très dur, pour que nous puissions penser à notre propre promotion personnelle. Travaillons ensemble autour de ce sujet. Nous avons la force, l'UMF, comme je vous l'avais mis, c'est une force. Malgré notre force, nous appelons à l'union et à nous mettre autour de la table. Pour répondre aux appels du président de la République et des autorités nationales, que ce soit politique ou maire ou préfet, pour trouver des solutions et surtout combattre le terrorisme. Mais pas tout seul, pas les musulmans tout seuls. Comme je vous l'avais dit, l'ensemble de la communauté nationale doit s'unir pour combattre ce fléau qui est le terrorisme. Et qu'on cesse parce qu'insidieusement, lorsqu'on dit islamiste, il y a beaucoup plus d'islam et très peu d'islamistes. Je dirais, c'est le terrorisme, les assassins, les criminels que nous puissions combattre ensemble. Et vous avez adressé un message au recteur actuel de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur Samsdine Hafiz. Quel message pourriez-vous accorder Monsieur Kbibesh, le président du Rassemblement des musulmans de France? D'abord, je tiens à lui dire, cher frère, tu es une personne, une bonne situation, tu n'as pas de mosquée. À chaque fois, tu cours derrière une mosquée pour te donner l'affiliation, pour pouvoir te présenter aux élections. Je pense
pense qu'il faudrait arriver à dissoudre l'ORMF et laisser le peu de mosquées que vous avez à s'unir sur une seule et unique fédération qui est l'UMF. Merci infiniment, Monsieur Khalil Merloun, par rapport à cette explication. Je vous dis à très bientôt. Merci. J'espère avoir contribué à l'unité et aussi à qu'on puisse travailler ensemble pour trouver des solutions adéquates qui s'opposent à la République et à l'islam de France.